je m'associe pleinement au souhait de cordiale bienvenue, au remerciement chaleureux et fraternel qui vous adresse en notre nom à tous. Étant moi-même un des fondateurs de ce grand mouvement de lutte émancipatrice de RDA et assumant depuis plusieurs années des responsabilités à divers titres dans ce pays, j'ai été souvent sollicité pour livrer mon mémoire, égrener mon souvenir de la marche difficile mais merveilleuse de notre mouvement. Avec humour, alors que l'humour n'est pas français, je vous ai toujours répondu en souriant. Il y a deux grands personnages au monde qui n'ont jamais écrit, qui ne diraient même pas un mot, mais une seule lettre, mais qui sont cependant les plus lus dans le monde, Mahomet et Jésus-Christ. Et vous m'avez dit, ils ont fait écrire par leurs disciples. Mais vous êtes aujourd'hui ici rassemblés, jeunes vieux, disciples de mon action. Je rends aujourd'hui avec le silence. Je vais vous apporter ma modeste contribution dans l'effort admirable que chercheurs et historiens ivoiriens accomplissent pour faire connaître l'histoire authentique du RDA, évitant ainsi les histoires. Que ceux qui ont brillé par leur absence, c'est le moins dire, veulent débuter pour masquer leur carence. Je ne vais pas passionner le débat. L'histoire est un témoignage. Donc repose sur la vérité. Et la vérité, vous le savez, est très belle quand elle est nue. Quand elle n'est pas affublée de ce vieux tissu déchiré qui masque sa divine beauté. Je vais vous livrer ce que j'ai vécu. Et je me propose ce matin, dans un premier temps, de vous faire un bref exposé sur les problèmes essentiels qui ont motivé la naissance et la vie de notre organisation. Dans un deuxième temps, je me soumettrai volontiers. Les heures ne compteront pas. Je pourrai rester jusqu'au soir avec vous. Pour répondre aux questions que vous voudrez bien me poser. La naissance laborieuse du RDA, elle est peu connue. Je voudrais, avec un petit recul en arrière, pour faire comprendre pourquoi nous avons créé le RDA. En 1945, beaucoup de chercheurs n'étaient pas nés. En 1945, après la grande promesse qu'il avait faite à Brazzaville en 1944, nommé le général de Gaulle, le grand homme qui a beaucoup fait pour notre pays et dont nous ne saluerons jamais assez la mémoire. Le général de Gaulle avait promis de conduire les peuples dont la France avait la charge
jusqu'à la liberté de gérer démocratiquement leurs propres affaires. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois dans l'histoire de la République française, nous, territoire colonie en ce temps, la colonie française de l'Afrique, avons été sollicités pour envoyer des représentants au Parlement français, alors que seul avant 1947 était représenté le Sénégal. Je vous éviterai les détails. La lutte est difficile que nous avons dû mener pour nous faire élire, les lire librement par nos chers compatriotes. Ce que vous devez savoir, c'est que les candidats suscités par la colonisation, appuyés par la colonisation, ont tous été battus dans tous les territoires africains. On avait trié sur le volet la liste de ceux qui pouvaient voter. Les chefs de canton, les fonctionnaires, les quelques employés de commerce, les anciens combattants. On a cru qu'on pouvait influencer cela. Mais dans un sursaut de conscience, ils ont dit non. Ils ont voté pour les véritables défenseurs de l'Afrique. Nous voici à Paris, sur le bord de la Seine. Une poignée de jeunes gens venant défendre les libertés confisquées par la colonisation. Notre dignité, il ne faut jamais oublier cela, piétinée par eux. Et nous étions dans une assemblée de plus de 627 membres d'une vive minorité. Force nous est de rechercher des alliances. Or, en 1945, et De Gaulle était encore au pouvoir, il y avait trois formations politiques qui se partageaient les responsabilités du pouvoir, à savoir le Parti Socialiste, le MRP et le Parti Communiste. Notre doyen d'âge, notre cher doyen, Lamine Gueye, l'élu du Sénégal, nous avait proposé de nous apparenter tous à son parti, la SPIO, dont il était depuis longtemps membre, la section française de l'Internationale ouvrière, devenue aujourd'hui le Parti Socialiste. C'est moi le plus jeune, représentant la Benjamine des colonies françaises de l'Est. Ah oui, j'avais demandé à Lamine de ne pas insister. Nous avons besoin des voix concertées et massives de ces trois formations au pouvoir. J'ai demandé à ce que nous nous répartissions entre ces trois formations pour que chaque fois que nous aurions à défendre les justes aspirations de nos peuples, les voix nous apportent leur concours massif. Mes amis ont accepté, mais tous immédiatement se sont empressés. Qui de s'inscrire au Parti Socialiste, qui au MRP, me restait moi seul.